Soluka omona changement na yo muto lingi makambo e bongwana. Dis-lui, c'est une fête aujourd'hui. C'est la fête. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Amen. Gloire à Jésus. C'est Pentecôte. C'est la fête. Vous savez, il y a les fêtes des hommes. Il y a aussi les fêtes de Dieu. Dieu a aussi ses fêtes. Et Dieu, c'est lui qui connaît, qui sait organiser des fêtes. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir que Dieu aime aussi des fêtes. Parce que dans une fête, il y a la joie. Dans une fête, il y a la communion fraternelle. Dans une fête, il y a des danses. Dans une fête, il y a des cantiques. Dans une fête, il y a la nourriture. Il y a tout. Et les gens se réjouissent. Amen. Gloire à Jésus. Alors, quand nous lisons la Bible, vous allez lire dans les livres de Lévitique 23. Vous allez lire à la maison. Quand vous lisez Lévitique 23, nous allons voir que dans la Bible, il y a aussi les fêtes de l'Éternel. Et quand nous lisons Lévitique 23, nous allons voir qu'il y a sept fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ces sept fêtes, mais nous allons parler de cette fête qu'on appelle la fête des moissons, la fête des récoltes. Et parmi ces sept fêtes, il y a la fête qu'on appelle la fête des Pâques, qui symbolisait la délivrance d'Israël. Amen. Gloire à Jésus. Dieu va ordonner, va demander aux enfants d'Israël de fêter cette fête. Et cette fête, c'était le 14e jour du premier mois. La fête des Pâques. Ça c'était pour les Juifs. Mais nous, notre Pâques c'est Jésus. Parce que la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. Parce que c'est lui qui nous a délivrés. Nous qui étions esclaves du péché. Il a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Pour que nous soyons libérés. Donc c'est Christ qui est notre Pâques. Et toujours dans le livre de Lévitique. Là j'ai la Pâques, c'est le verset 5. Et maintenant, il y a aussi une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. C'était le 15e jour de ce mois. Et cette fête faisait 7 jours. Donc le 14e jour, c'était la Pâque. Et le 15e jour, c'était une fête de pain sans levain. Amen. Et si on nous parle de pain sans levain, la Bible dit que Christ c'est celui qui est le pain de vie. Et quand on nous parle de vin, de levain, le levain signifie le mal, le péché. Donc cela symbolise que quand une personne est délivrée, quand une personne passe par la Pâque, alors ses péchés sont pardonnés. Amen. Christ lui-même, il est le pain sans levain. Parce que Christ n'avait pas péché. Et quand nous venons en Christ, le Seigneur, lui qui n'avait pas péché, la Bible dit qu'il est devenu péché pour que nous, nous puissions être justifiés. Amen. Donc la Pâque était liée à la fête des pains sans levain. Les vivres. Voilà.
Amen. Gloire à Jésus. Parce que c'est le levain qui fait grossir ou bien gonfler la pâte. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il y a la pâte. Il y a la fête des pains sans levain. Et il y a aussi, il y avait aussi une autre fête, la fête des prémices. La fête des premières fruits. C'est dans Lévitique 23:9. C'était le lendemain du sabbat. Ici, je suis en train d'énumérer les fêtes de l'Éternel. Mais on ne va pas parler de tout cela. Pour que vous puissiez avoir une idée. Il y avait aussi une fête. C'était la fête des moissons. Fête des récoltes. Fête des semaines. Et cette fête, c'est ce qu'on appelle la fête, les jours de la Pentecôte. Donc on va voir ça après. Bon, à part cette fête, il y avait aussi la fête des trompettes. Toujours dans Lévitique 23. Toujours dans Lévitique 23. C'était les premiers jours du 7e mois. Et quand on parle de la trompette, en lisant nombre, 10, nous voyons qu'il y a des trompettes. Il y a une trompette pour les rassemblements. Et il y a une trompette pour les départs. Amen. Donc la trompette des rassemblements est l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. Quand nous prêchons la parole, nous sommes en train de rassembler le peuple. Ce sont des hommes qui sont les sons de la trompette, les prédicateurs. Mais il y a un autre son. Ce ne sont pas les hommes qui vont sonner ça. Mais c'est l'archange qui va sonner afin que le peuple qui était rassemblé puisse aller vers Christ. Dans 1 Thessaloniciens, vous allez voir ça 4, vous commencez par les versets 13 jusqu'à 18. Ce n'est pas encore arrivé. Mais il y avait aussi une autre fête. Toujours dans Lévitique 23. La fête du grand jour. Du pardon, d'expiation. C'était une fois par an. Les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour offrir à Dieu le sang du peuple afin que le peuple soit pardonné. Les grands jours d'expiation. Mais quand nous lisons Hébreux 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Christ est entré une fois pour toutes dans un temple qui n'est pas construit par les médecins, mais dans un temple céleste pour offrir à Dieu son propre sang pour que nous puissions être sauvés. Amen. Donc Christ a déjà fait à la croix. Mais en Israël, il y avait cette fête. Vous pouvez dire ça dans les livres hébreux 9, 14. Hébreux 9, 12, 13 à 14. Hébreux aussi 10 à 4. Vous pouvez lire ça. Hébreux aussi 10. Et c'était le 10e jour du 7e mois. Mais là, 10e jour, il y a 7e mois. Et la dernière fête. Toujours dans le livre de Lévitique. Dans le canal Lévitique. 23. 23. C'est la fête des tabernacles. C'était le 15e jour. Et là, mon 15e jour. Du 7e mois. Il y a 17e mois. Là, on nous parle de tabernacle. Tabernacle signifie habiter. Et là, qui dit, vivre ensemble. C'est là où il y a la communion. Et ça, amen. 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 Un jour, nous serons avec Christ. Et nous serons à Jérusalem. Après l'enlèvement, quand nous allons descendre pour régner, nous serons ensemble avec le Seigneur. Et nous allons nous réjouir. Son tabernacle. Et nous allons vivre ensemble. Là, j'ai parlé des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la fête des Pentecôtes. Qui est la fête des moissons. Et la fête des Pentecôtes, c'est quoi?
Et là, la Bible va nous dire. Bible, Dieu va dire au prophète Joël de prophétiser. Yesu aye, nzambe alobi et de la prophète Moïse pour Joël aleka koloba. Dans Joël 2, Dieu dit. Na mokanda Joël 2 et le dit. Dans les derniers jours. Na mokolo la souka. Dieu répandant son esprit. Nzambe kotia molimo na ye. C'est tout chez. Na nzoto nyoso ya vos fils. Et pas dans la vie. Et vos filles. Et mona ba et vasi. Prophétiser. Bakosakola. Et les vieux auront des visions. Bakoko bakotsoma ndoto. C'était une prophétie. Wale zali et sakoli. Amen. Mais Dieu a voulu que cette prophétie s'accomplisse les jours de la fête, les jours de la fête de Moissons, parce que les jours où le Saint-Esprit était descendu, c'était un jour de fête. Amen. C'était un jour de fête. Les gens fêtaient, mais les disciples n'avaient pas voulu fêter. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont dit, Jésus nous a dit, ce n'est pas se déplacer. Mais rester dans la chambre. Même si il y a la fête, nous allons rester. Mais parce que ce que nous faisons est plus important que la fête. Et ils étaient là ensemble. Ils étaient là ensemble. Et ces jours-là, la Bible dit que la prophétie s'est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Alors, la Pentecôte, c'est 56 jours. 50 jours. Après la résurrection. Jésus est mort. Il est ressuscité. Après 40 jours. 40 jours. Jésus-Christ apparaîtrait aux gens. Il était visible. Les gens le voyaient. C'est pourquoi en Afrique, si quelqu'un meurt, on dit qu'on va faire, on va attendre 40 jours. Parce qu'ils ont l'idée de la Bible. Et les gens croyaient que si quelqu'un meurt, donc 40 jours, personne n'est encore sur la terre. Or, ces personnes ne sont pas de Jésus. Il y a que Jésus qui était mort. Il y a que Jésus qui était ressuscité. Il y a que Jésus qui a vécu 40 jours avant de monter chez son père. Amen. Lui qui était 100% Dieu, lui qui était 100% Dieu, il était 100% homme. Après la résurrection, 40 jours, Christ va partir. Amen. Il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans une même place. Parce que le Saint-Esprit viendra. Et il va vous révéler les grandes choses. Donc, après 10 jours, Jésus qui s'est parti, après 10 jours, c'était le jour de la Pentecôte. Je me répète. Le jour de la Pentecôte, c'est 50e jour après la résurrection de Jésus. 50e jour, c'est 10 jours après l'ascension de Jésus. Est-ce que tu me fais comprendre? Qui peut me répondre? La Pentecôte, c'est quel jour après la résurrection? Qui peut me répondre? 50e jour après la résurrection. 50e jour après l'ascension. 10 jours. Amen. Alléluia. Écoutez, frère. Écoutez-moi bien. Alors, la sœur va nous lire Actes des Apôtres. 1 jusqu'à 19, rapidement. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour écouter la parole. Je lis la parole au nom du Seigneur. Donc, acte 1, 1 à 19. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon acte premier 2. Livre. Acte 2. Excusez-moi, acte 2. Le jour de la Pentecôte. Voilà le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Soulignez, ils furent tous remplis, tous,
Ce n'est pas deux personnes. Mais toutes les personnes qui étaient là. Ils étaient remplis de cet esprit. Et moi aussi je veux. Quand tu viens à l'église, il faut que tous qui nous puissions être remplis de cet esprit. Ne laissez pas le Saint-Esprit seulement au pasteur. Ne laissez pas le Saint-Esprit au diacre. Moi aussi tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que tous ils étaient remplis de Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin aussi de toi. Alors répète encore, Saint-Esprit, moi aussi j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que quand nous arrivons à l'église, et nous savons que c'est lui seulement qui prophétise. C'est lui seulement qui parle là. Moi, j'ai fait seulement pour venir. Mais la Bible dit que tous, je veux qu'on cause qui sont parmi ces gens-là. Parce que si tu n'es pas rempli, donc si tu ne fais pas partie de ces gens-là qui ont reçu la promesse. Donc ils sont quand on s'invite aux arbres qu'on a monté à saliter la bâtisse. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Parce que c'était une fête. Donc les gens sont venus à Jérusalem parce que c'était une journée de fête. Continue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait par. Ah, il y avait quoi? Un bruit. Dis à celui qui était côté de toi, ne sois pas, ne sois pas tiède. Vous allez être pétoté. Amen. Ne sois pas. Les malins. Ne sois pas mou, bien molle. Amen. Nous, nous sommes les gens de bruit. Amen. C'est pourquoi les gens disent que tu parles trop. Je parle trop parce que j'ai le Saint-Esprit. Je parle trop. Et là où je suis, il y aura toujours des bruits. Personne ne fermera la bouche pour parler de Jésus. Parce qu'il y aura toujours des bruits. Voulant ou pas, j'ai fait des bruits. Dis à celui qui est à côté de toi. Sakola. Même dans les métros, pas. L'obé l'amour. Même au travail, fait des bruits. L'obé l'amour. Nous sommes des chiens de bruits. Nous sommes des chiens qui bougent. Là où il y a des bruits là-bas. Étonnement et la surprise. Ah, tu vas étonner les gens. Amen. Je connais les frères qui ne parlent pas. Mais je
Il est devenu quelqu'un de bruit. Les gens vont s'étonner. Je connais la sœur Marie-Claire. Elle est timide. Calme, il faut commencer à s'étonner. Là où tu y es, commence à faire des bruits. Il continue ma sœur. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Écoutez, ils étaient galiléens. Bah, ça dit pas galiléen. Mais ils parlaient d'autres langues. Bah, continue. Dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite et ceux qui habitent la Mésopotamie. Ils étaient venus là. La Judée. Ils étaient venus là. Et la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie. La Pamphylie, l'Égypte. La Bible aussi était là. Le territoire de la Libye voisine. Les Africains aussi étaient là. Amen. Et ceux qui sont venus de Rome. Les Européens aussi étaient là. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Ces bruits, c'était les merveilles de Dieu. C'était pas n'importe quel bruit, frère. Quand il veut faire des bruits, il faut que ce soit les merveilles de Dieu. Et quand il fait les bruits, par rapport aux merveilles de Dieu, il va attirer. Le jour où Christ était né, il a commencé à dire, parce que Christ était né homme. Quand un bébé est né, il fait quoi? Des bruits. Des bruits, non? Amen. Il pleut. Et les mages. Ils ont écouté les bruits. Ces bruits ont attiré les mages. Et quand Jésus commençait à pleurer, à faire des bruits. Et tant que Jésus allait gonger, c'est un bruit qui dérange. Mais c'est un bruit qui attire. Mais c'est un bruit qui pour bend abattu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Ah oui, les gens vont te dire que tu es ivre. Ils vont dire, ah, c'est devenu ivre. Ah, voilà. On ne comprend pas ces hommes-là. Mais toi, tu étais toujours avec nous. Tu veux plus ça. Tu es devenu ivre. Gloire à Jésus. Alors Pierre, se présentant avec les onze, leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Ces gens ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres, frère. Comme vous le supposez, car c'est la troisième heure. C'est la troisième heure du jour. Mais ceci, ce qui a été dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Voilà, on se limite là. On se limite là. Parce qu'on va continuer. Amen. On est déjà à 12h. Je vais prêcher pendant 10 minutes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Les jours de la Pentecôte, c'était une fête. Les gens ont quitté leur pays. Ils sont venus à Jérusalem. Parce que c'était une journée de fête. Il y avait les prosélytes. Les prosélytes, ce sont des gens qui étaient étrangers. Mais qui sont adhérés dans la religion, dans le judaïsme. Ils sont venus. Mais Dieu. Il a voulu que ces jours soient les jours de la Pentecôte. Parce que les gens sont venus. Il y avait des étrangers. Et tous ils étaient remplis de Satan. La Bible dit qu'ils étaient dans un même lieu. Et dans ce même lieu, ces gens-là priaient. Ces gens-là priaient.
Il priait Dieu. Par rapport à la promesse. Et ce jour-là, c'était la naissance officielle de l'Église. L'Église ne pouvait pas commencer ça, la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous faisons de l'Église quelque chose comme une association, nous mettons le Saint-Esprit à côté, frère. Nous mettons le Saint-Esprit à côté, frère. Jésus ne sera pas là. Et on ne va pas avancer. Et le bruit qu'on va faire, ça sera le bruit pour repousser les gens. Jésus a dit, restez là. Ils étaient enseignés. Mais les enseignements ne suffisaient pas. Il y a beaucoup de sectes qui sont enseignés. Il y a beaucoup de religions qui sont enseignées. Mais la différence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand tu vas chez les témoins de Jéhovah, ils sont enseignés. Et tu sais que pas la vie sur les témoins de Jéhovah. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils sont enseignés. Les bouddhistes, pareil, ils sont enseignés. Mais la différence, Jésus a dit, yes, si vous partez comme ça, yes, vous allez commencer à couper les oreilles. Parce que le jour où on était venu arrêter Jésus, Pierre, lui, il croyait qu'il pouvait défendre Dieu. Pierre, il y a quelqu'un qui a beaucoup bondé la colo Yesu, ou à Zalinzam. Mais c'est même Pierre. Mais après la Pentecôte. Mais si Maya Pasika. Celui qui a régné Jésus. C'est le même Pierre. Mais Pétero Wana va parce qu'il était rempli de Saint-Esprit. Il n'avait plus honte. Il n'avait plus peur. Il s'est mis debout. Et il a commencé à prêcher. Et le même jour, il y avait environ 3000 âmes. 3000 personnes. Frères et sœurs, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons gagner les âmes à Jésus. Et je te dirai une chose. Quand l'onction de Dieu vient, quand le Saint-Esprit descend, il amène des choses. La gloire et la mort. Amen, 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 amen. Attention. Keba. Si tu es dans une église où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, vas-y là-bas. Mais quand tu viens là où le Saint-Esprit se manifeste, et que toi tu n'y veux pas suivre les mouvements, attention à la mort. Bien aimé Keba. Parce qu'Ananias et Saphir, ils étaient aussi des chrétiens. Ils ont menti au Saint-Esprit. Il y avait la mort. La prière, la gloire de Dieu. Et ce Dieu est exigeant. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu est exigeant. C'est la vérité. Amen. Si il y a la gloire et, ce qui ali, et que toi tu viens ya, pour distraire, c'est ton problème, frère. Bien aimé. Parce que quand la gloire descend, frère, et ce qui dit, ça descend avec des choses. Et qui ma kambomi balé, l'onction et pas kolami, ou bien la mort, ou bien koufa, la bénédiction, l'ipamboli, ou bien la malédiction, ou bien et laquelle ma bénédiction. C'est pourquoi faites attention. Et bien aimé, tout ça, keba. Faites très attention. Tout ça, keba, bien aimé. Parce que nous sommes monter dans une dimension. Et quand tu suis les mouvements, tu verras que les choses vont changer. Amen. Dieu a dit quand j'étais jeune, je marchais seul. Je mettais ma ceinture seul. Mais quand je suis devenu vieux, ce n'est plus moi. Amen. Frère, bien-aimé, frère, c'est le temps du Seigneur. Écoutez, le jour de la Pentecôte, il y avait l'unité. Ils étaient un. Dans un même lieu. Dans la prière. Alléluia. Jésus. Et quand l'Église est remplie
remplis du Saint-Esprit, ou bien les gens de l'église sont remplis du Saint-Esprit, ils ne seront pas seulement les fidèles quand ils sont à l'église. Mais la gloire commencera par l'église. Et la gloire va sortir de l'extérieur. La gloire que nous avons, quand nous sommes à l'extérieur, ça se voit. Et ça crée la différence. Et ça rappelle que ce n'est pas quelqu'un te voit. Pas comme nous. La personne qui habite l'Europe, s'il va en Afrique, même si tu mets une culotte, même si tu as une coupée, attends, le window. Même si tu mets les babouches, attends, on va latiner les papa. On dit non, toi tu n'habites pas ici. La peau. La peau, on va dire toi, tu n'habites pas ici. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui. Et mon Saint-Esprit, oui, les quatre n'habits sont ma foute. Quand on te voit, et tant que mon habit, on dira que non, toi, non, bah, l'habit est où, ta place n'est pas ici. Ouais, t'es où, t'es. Parce que ta façon de voir, ta façon de parler, le langage qu'on est là, yo. Ta façon de parler, ça se distingue. Et ça, ça fait un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça se distingue, frère. Et ça, pour ça, le qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il y a l'onction. Côté et pas que le il y a la puissance. Et l'onction. Amen aussi la beauté. Et mes marins, je suis au moins ça, madame. Amen. Tu regardes comme ça, tu dis que tu n'es pas belle, frère. La personne qui a l'onction de Dieu. La personne qui a l'onction de Dieu. Toi, ça n'est pas que le mais pas dans le Yesu. Va tirer. Abou Ben Dabat. Pourquoi la banzoï? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Jésus va dire à Nicodème. Yesu, il ne sait pas à Nicodème. Que si tu nais d'eau et de l'esprit, tu ne verras jamais la gloire. Nous voulons hériter le royaume. Mais si et seulement si nous sommes nés d'eau et du Saint-Esprit, amen. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des hommes charnels par rapport à notre physique, mais nous sommes aussi nés de nouveau. Donc nous sommes des hommes spirituels. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, là où il y a l'onction de Dieu, c'est comme un fleuve. On va lire Ézéchiel 47. Na Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Je vais terminer. Non, aussi ça. Je vais terminer. Ézéchiel 47, verset 1. Je vais lire ça vite. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison. On va amener Ézéchiel à la porte de la maison de l'Éternel. Sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Amen. Il y avait l'eau qui descendait. Et à qui la main est-elle qu'on quitta? Et Ézéchiel va dire, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et à ça qu'on me manga ainsi qu'à la porte, il y a Kembo. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte. Et simatine na suka oye ala ya porte. Et voici Peyango. L'eau mai coulait du côté droit. Et zaiko kita et pemene ya moyo ya le boko mobali. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, et tant mon motasoko pousse la pemene ya Orient, il avait dans la main un cordeau. Et zaiki na maboko na ye un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein.
Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde, il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et arbres. Arbres. Il me dit, cette eau coulera vers les strictes orientales. Descendant dans la plaine. Et entrera dans la mer. Lorsque c'est sera jeté dans la mer, et tant la mai, les eaux de la mer deviendront saines. L'eau qui était dans le temple. Et cette eau sortait de l'extrait du temple. Et puis maquina katina maï. Et cette eau s'est jetée dans la mer. Et quoi qui n'a katina maï. Et quand l'eau s'est jetée dans la mer, et quand la Bible dit la mer va devenir saine. Et comment il la saine maï. Parce que l'eau de la mer, et pour c'est l'eau mélangée avec du sel. Et pour te sangana qui n'a mumba. Mais quand l'eau qui est venue du temple, et tant maï oya witi na tempelo. Et qui dit la carte n'a pas la mer, la carte à maïa moukoua, la mer était saine. Et des maïs comme à qui sel maï yamoké ya malam. Tout être vivant qui se met vivra par tout où le torrent coulera. Et des moutons sont collés à couvrir et à couvrir et si la maïa est coquita. Donc partout où l'eau va couler, et si la maïa est coquita, les gens qui seront là, bâton n'y a pas la paix, ils vont vivre. Suivez-moi bien. Et il y aura une grande quantité de poissons. Et que ça la mambisi et belé bako yala la carte nesika. Là où cette eau arrivera, si ka maye koko mela, les eaux deviendront saines. Et te maye koko ma o ezali saine to pe maya moke ya malam. Partout où parviendra les torrents. Et te mutune sa ko vi ako yala bomo yesika nyo so maye wale zaleli. Je saute. La leki. Je prends 12. La di na. Sur les torrents et sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne s'effritera point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois. Et si quand même il y en a niosso, oh égali, banzete koko tamu panzi na panzi, pe ba banzete na makasa na mo ekoki jamais koka oka. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Et tes potes maïs vont les bimis et si quand un kembo nzambe. Leurs fruits serviront de nourriture. Et tes bambou malabango et sungabango pour la colibilier. Et leurs feuilles des remèdes. Et tes makasa la wana et kozala pona et couvrir et là où il y a l'onction du Saint Esprit. Et si quand un mungu y a pas moli mon Saint nzambe zali. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand nous parlons du Saint Esprit. Et toujours dans le moli mon Saint. Nous pouvons voir aussi l'eau. Et toujours au moment de Jésus maïs. Jésus Christ a dit. Yesu alobi boy. À cette femme samaritaine. Alobi na moisi koya mon samaritain. Samaritain. Parce qu'il lui demandait de l'eau. Et Christ dit, celui qui boira l'eau que j'ai lui donné, il va devenir la source d'eau. L'eau va commencer à couler dans son sac. Amen. Amen. Donc là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'onction, il y a l'eau qui commence. Dans la maison de Dieu. Et qui va sortir. Et là où l'eau va arriver. Il y aura la vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais quand nous lisons Ézéchiel, la première chose, il va traverser l'eau. Mais cette eau était dans ses chevilles. Et il va traverser pour la deuxième fois. L'eau était dans ses genoux. Et la troisième fois, l'eau était dans ses reins. Mais la quatrième fois, il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait un torrent. Il a commencé à nager. L'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans les chevilles. Ce n'est pas dans les genoux. Ce n'est pas dans les reins. Parce que si l'eau est dans les reins, tu sauras marcher seul. Mais quand il y a un torrent d'eau, ce n'est pas les torrents qui vont suivre ton mouvement. Mais c'est toi qui vas suivre le mouvement du torrent d'eau. Donc la personne qui est remplie du Saint-Esprit, il ne marche pas selon sa volonté. Mais il marche selon la volonté du torrent. Et là où les
Mais la Pentecôte commence par la maison. Il y a beaucoup de choses. Je veux même commencer la Pentecôte à l'extérieur. Non, frère. La Pentecôte commence ici. Et si ça commence ici, il y a l'eau. Et quand il y a l'eau, quand tu commences à traverser, ça va commencer dans les genoux. Ça va monter dans les genoux. Si tu as le Saint-Esprit dans les chevilles, tu n'as pas encore compris. Si tu as le Saint-Esprit dans les chevilles, c'est pourquoi tu restes dans les temples. Mais quand le Saint-Esprit va devenir un torrent, tu ne peux plus rester ici. Ça va t'amener le Seigneur. Ça va t'amener la vie. Ce n'est pas la Yambobobo, c'était la Clossolalie. Par exemple, moi je ne parle pas chinois. Mais rempli du Saint-Esprit, je commence à parler chinois. C'est la langue qui était parlée. Les jours de la Pentecôte.
Amen. Gloire à Jésus. Quand vous lisez la Bible, dans 1 Corinthiens 13, il y a des langues des anges et il y a des langues des hommes. Et il parlait des langues des hommes qui étaient inconnus. Mais Dieu a mis la parole pour exprimer. Mais il y a des langues des anges. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, c'est qu'on fait blues à la barre. Ça, c'est les langues des hommes, des anges. Parce que quand nous parlons, personne ne nous comprend. Mais quand nous prions, nous rendons des actions de grâce à Dieu. Mais si c'est un don de langue, nous avons besoin de l'interprétation. Mais si c'est une prière, on a besoin de l'interprétation. Parce que nous ne parlons pas aux hommes. Mais nous parlons à Dieu avec des soupirs inestimables. Alors si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu feras que tu puisses commencer à parler en langue, à commencer à prophétiser. Amen. Il y a des fois tu prophétises, mais toi tu ne sais pas que tu es dans un endroit. Amen. Amen. Parce que comme tu as l'eau, tu nages. À l'extérieur, il y a des choses que tu parles. Quand les gens attendent ça, ils disent, ah, moi aussi je veux commencer à prier. Parce que tu amènes la vie. Et pour tout ça, pour mes marois et salibou moi. Tu amènes la vie, frère. La Bible dit, et là où il y a l'eau qui arrive, là où l'eau arrive, il y a le feuillage. Et il y a le fruit. Le feuillage, quand vous lisez l'Apocalypse, ce sont des dons spirituels. Et le fruit, ce sont les fruits de l'esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on a pas seulement besoin des dons spirituels, mais on a aussi besoin des fruits de l'esprit. Et quand vous lisez les fruits de l'esprit dans Galates 5, c'est écrit dans 5 lignes, les fruits ça est. Et on commence par l'amour. Donc la patience est dans l'amour. La bonté est dans l'amour. Mais tout de soi est dans l'amour. C'est pourquoi la Bible dit qu'il peut avoir la foi de déplacer les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Nous ne serons pas sauvés parce que nous avons les dons spirituels. Mais nous serons sauvés parce que nous avons une personne en nous qui s'appelle amour. Parce que l'amour c'est une personne. Ne passe pas parce que tu es en train de prophétiser que cela suffit. Non, frère. La prophétie sans amour, il va nous apporter des mensonges. La Bible dit que l'heure vient. Et les déjà fini. Tous les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'amour, frères et sœurs, même tes dons là que tu as, ça n'a pas d'importance. Parce que les magiciens aussi, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent prophétiser. Mais ce qu'ils peuvent pas voir, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Là où il y a les torrents, frères, il y a l'amour. Il y a l'unité. Et quand il y a l'unité, nous allons sortir. Et quand nous allons parler, nous allons amener la vie. La Bible dit dans une même bouche, ça ne peut pas sortir de l'eau qui est propre et de l'eau qui est sale. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a le mouvement bénissé de Dieu, frère. Frère, arrête, frère. C'est tout ce qu'on fait là. C'est plus que la fête. Et même, c'est plus que le coca que vous avez réservé là. Et les c'est plus coca. J'avais dit, je vais terminer. Ne poussez pas à terminer, frère. Ce sont des choses importantes. Ils n'ont pas voulu fêter avec les autres, frère. On peut aussi terminer à 13h, on va manger là-bas dehors. C'est ce qui est important dans votre vie. Quand tu vas manger, à 16h, tu vas aller dans un endroit qu'on appelle double WC. Amen.
Mais ce que je vous donne aujourd'hui, il n'y a pas de double verset pour ça. Alléluia. Ça va rester en vous. Mais c'est là que vous